Rocky, ravi de vous retrouver. Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Ziggy, merci de m'avoir invité. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à rejoindre le studio. Pas de carjacking. Le roi est mort. Vive le roi. Après le décès tragique de Saburo Arasaka, c'est son fils Yorinobu qui reprend les rênes de la compagnie. Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Et pourquoi j'accepterais ? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé... Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Zedina, j'attends. Oh, merde !
Toujours qu'il se passe un truc. Toujours. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Marie, on sait que t'es là. On voudrait t'aider. Vous avez même pas de mandat. Toujours rien.
Non, je peux pas. Je t'ai déjà dit. From the very first stages of food production, we bring you back to the all foods. Et voici l'actualité locale. Le NCPD appelle à la... Je suis Arefi Bal et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Ryan. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Ryan sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui... Done all night. Coming your way.
contains all of Chromanticore's 16 new flavors and mix it up! T'as vu ce qui s'est passé? Il y a un truc qui va pas. Sans blague. Je parle pas de l'accident, mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident?
Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes pour Sandra Dorsett. Vous vous êtes bien débrouillés. Ton ami et toi. À plus tard. Alors, t'es révélé ? Déjà ? T'es vraiment super bien renseigné ? Toujours. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Mon avocat va t'attacracher le cul ! T'entends ce que je te dis ? Il va te mettre en faillite ! Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat ? Va te faire foutre, tas de circuit ! Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Salut, Del. Bonjour, madame ou monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Il était tout derrière ! Qu'est-ce qui te prend, Del ? Tu me reconnais pas ? Tu m'as envoyé un message. Tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la mail. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident ? On va leur donner le numéro, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Qui ça ? Les corpos de jour. Écoute, je peux parler à de la mail. Nous nous occupons actuellement de vous. Votre identité a été confirmée grâce à la reconnaissance faciale. Monsieur Hans Jonas, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 7-7-1-1-1-1-0-1-0-9-6 ? Monsieur Hans Jonas, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro ? Ça me brise 7... le cœur que ma caisse soit dans cet état, mais je préférerais parler au vrai de la main, si possible. Toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer, et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte, pour compenser les dégâts causés. Oh, c'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs ? C'est pas... Ok, allons parler. Parfait. Veuillez suivre le drone. J'ai pleinement conscience que le service client est loin d'être satisfaisant en ce moment. Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Je crois savoir pourquoi. J'essaie encore de déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la mer. Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé. Je dois résoudre ce problème plus vite. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse et fait à la compagnie une regrettable publicité. Salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. T'es pas un être organique. Pourquoi t'as une salle de contrôle ?
À une époque, cet établissement était dirigé par des êtres humains. Je me suis contenté de reprendre leurs infrastructures. Tous ces voyants, c'est quoi ? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger ? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de services et que vous êtes très discret. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Pourquoi tu veux la discrétion ? Cela évite les ennuis et permet d'être toléré. La hausse des inspections indique que les autorités m'ont placé sous surveillance. Tu parles du NCPD ou de Netwatch ? De Netwatch, je le crains. Mon statut légal ne cadre pas très bien avec la réglementation actuelle. Je risque à tout moment d'être considéré comme un immigré clandestin. Ok, je vais essayer d'en trouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi. Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la Main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage. Ok, je vais le chercher.
Hé hey, on peut discuter? Je n'y retournerai pas. Tu m'entends? Jamais! Si tu essaies de m'emmener, je t'écrase! On va voir qui écrase qui. Discuter. Vous pouvez trouver à l'endroit précis où j'ai perdu le contact avec l'un des véhicules. Ok, je vais le chercher. On va voir qui écrase qui. La connexion au véhicule. Merci. Je vous ai viré une partie de votre argent. Police, sors les mains en l'air.
encore, mais ça va pas tarder. Dino, je m'occupe du centre-ville. V. Ouais, j'ai entendu parler de toi. T'es une star. Appelle-moi en cas de besoin. Et oublie pas, Dino connaît tout le monde. Les véhicules manquants se trouvent très probablement près de votre position. Merci, je vais voir si je le trouve. En lieu sûr, alors. Au garage. En conduisant, à travers les rues. Ouais, j'en ai bien peur. Dans ce cas, conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Vous pouvez monter, mais roulez prudemment et ne heurtez rien.
Laissez-moi un instant pour me calmer. Fais chier. Bon, on ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Cada madre. C'est un scandale. Super. Bon, on ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Je ne serais pas seul ici. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était horrifiant. Mais je vous remercie quand même. Je vous remercie sincèrement pour votre aide, V. Je viens de vous envoyer une partie de votre argent. Organic food continues to be a major cause of illness. Do not eat from unlabeled cans. Il doit filer. Vas-y.
Military. Protection for every occasion. Let's go.
Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Plus d'infos jointes. Je compte sur toi, V. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Plus d'infos jointes. Je compte sur toi, V. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Hey, ya hubo. ¿La crees, Ella? Thank you.
Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Plus d'infos jointes. Je compte sur toi, V. In the event of acid rain, those with respiratory issues are advised to remain indoors.
News. Démarrons aujourd'hui par l'actualité locale. Arasaka Corp a signé un accord de coopération avec l'université de Night City. Les professeurs et les étudiants peuvent désormais acquérir un implant cognitif Arasaka Ozukumi SX par le biais d'un emprunt avec une remise de 20%. D'après nos sources, l'installation de l'implant deviendra vite obligatoire pour tout le corps enseignant et les étudiants. Autre actualité, la mort de 12 personnes a été signalée à Vista del Rey. Les médecins légistes ont confirmé qu'il s'agissait du botulisme. Le point commun entre toutes les victimes serait le type de viande en conserve consommée. Le NCPD conseille d'acheter la viande uniquement dans des laboratoires alimentaires approuvés. La viande d'origine naturelle pouvant contenir diverses toxines ainsi que des agents pathogènes. Après le botulisme, c'est une nouvelle fièvre qui va s'emparer de la ville de Night City avec l'annonce d'une série de concerts de Lizzy Witty. La chanteuse et artiste mondialement connue sera bientôt à Night City. Les billets ne seront accessibles qu'à ceux dont l'indice de crédit dépasse les 700. Pour tous les autres fans de Lizzy Witty, le concert sera visible via des systèmes de retransmission domestique. Night City, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt à tous. Tu vas voir. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal au point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais.
Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. C'est pour la biopuce? C'est pour ça que je suis là? On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop, parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn, pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville? J'ai tenté de la localiser, sans succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation? J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpaux. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre, alors. Attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice? À Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Et si je dis non? Alors je te dirai ce que je t'offre, en échange de ton aide. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka, et on annonce que Yorinobu est un meurtrier, qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Et de quel genre de personnes on parle exactement? Celles qui constituent le cœur d'Arasaka. Celles dont l'intérêt est la croissance stable de la corporation. Des personnes comme Anderselman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Hanako-sama, o ai dekite goei desu. Kotirakoso. Alors, Hanako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura.
Heureusement que ton copain est plus futé que toi. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Tom est pas méchant. Il a tendance à dire ce qu'il pense, c'est tout. Il me rappelle un peu mon père. Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de toi pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Eh ben, t'as pas chômé ces derniers temps. Je ne vais pas rester les bras croisés, alors que j'ai des informations à rassembler et des actions à planifier. Ouais, tu fais ton job, quoi. Mon ancien job. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il... Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue. Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein? Cette femme Parka ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parka, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai.
C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crasse et Raviole a réchauffé. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Laisse-moi tout seul, connard! T'as pas besoin de parler pour me parler. Qu'est-ce que tu me veux, putain? Et tu m'en veux encore pour l'autre nuit? T'as simplement essayé de me tuer. Ouais, mais j'y ai repensé et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer maintenant. Casse-toi, espèce de psychopathe! Hey, c'était pas facile pour moi non plus, hein? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi je te ferai confiance, s'il te plaît? J'en ai rien à foutre que tu me fasses confiance ou pas. Niveau problème, on a plus grave, là. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi? Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. Mes chers téléspectateurs, thank you.
Je vous pose la question. Comment Orbital R... Balez pas un mot si peu de temps. Mes amis, je ne vois qu'une seule explication logique. Les IA prévoient une explosion de la demande pour des vols orbitaux dans un futur très proche. Mais pourquoi? Une guerre mondiale? Une catastrophe écologique? Ou peut-être le soulèvement des machines? Rendez-vous de vos affaires. On ne le saura peut-être jamais. Quelles que soient les conclusions que les IA ont tirées de leur base de données, elles ne semblent visiblement pas avoir l'intention de les partager. Quoi que nous réserve l'avenir, c'est maintenant qu'il va falloir acheter. Quel monde de l'issue vous allez nous rapporter de quoi acheter? M'oublier pour la lune, le monde s'effondrera. Un terroriste! Vous croyez vraiment que ce... Pitié! Non, faites pas ça! Boulot, ça va? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider et supporter tes jérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passé un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Tu t'es occupé du corps de Jackie? Je croyais que t'étais au courant. Merde. Tu devais être dans les vapes quand je t'en ai parlé. Parler de quoi? Arasaka. Ils sont venus et ils l'ont embarqué comme ça. Quoi? Où est-ce qu'ils l'ont emmené? J'en sais rien. Ils m'ont fait coucher sur le sol, les mains sur la tête. J'ai essayé de demander, mais tu sais comment c'est avec les corpos. Putain de costard! J'ai 2-3 questions sur la puce et sur Silveren. Je suis pas un expert, mais demande toujours. Je répondrai au mieux. Comment ça se fait que j'arrive à le voir? Bah, cette biopuce est conçue pour pouvoir communiquer avec un construct. Elle fait juste son boulot. D'accord, alors merci, Arasaka. Tu sais, tu dois être le possesseur de reliques le moins fortuné, au propre comme au figuré. Il a essayé de me coller un trait plat. Quoi? Comment je fais pour le retenir et l'empêcher de me tuer? Eh ben, tant que tu lui laisses pas le contrôle, il peut pas te faire grand-chose. Mais au bout d'un moment, t'auras vraiment plus le choix. Et il se passera quoi? On va pas attendre de le savoir. Trouve un moyen de te débarrasser de Silverhand, et vite. Pourquoi je revis les souvenirs de Johnny? Vous partagez le même cerveau. Il a accès à tes sensations, tes perceptions, et même à certains souvenirs. Et toi, tu as accès aux siens. Au bout d'un moment, tu sauras plus si c'est les tiens ou les siens. Je vous le dis, non!
Hé, hey, regarde ça. Hé, hey, vise un peu ça. Tu le vois aussi, non? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle? Tu sais, la nana avec les cheveux. Misty? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Écoute, te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder? Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire? Je l'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref. Tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots? À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi je fais quoi d'un signe que je pige pas? Qui vient d'une puissance dont je sais rien. Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Et je vous le dis. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images.
Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors, tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Et je vous le dis, non ! Les Arasaka ne sont pas un clan ordinaire ! Ils ne sont même pas humains ! Ce sont tous... Leur corps ne vieillit pas, mais observez leurs yeux. Froid comme ceux d'un mort. N'existe que pour dissimuler de quelle manière ils survivent. Ou plutôt, comment ils demeurent non morts. Je vous le dis, Saburo n'a pas quitté notre monde. Il se repose tranquillement dans la crypte familiale. Il se nourrit du sang de ses serviteurs, en attendant que son corps se régénère. Ce n'est pas si surprenant. Ils ont dit à la télé qu'ils développaient une tech d'immortalité. Un simple mensonge pour dissimuler leur nature inhumaine. La technologie n'en est pas à l'origine. Elle provient de leur sang de mort vivant. Mais comment de simples mortels seraient-ils devenus ces abominations, défiant la mort ? Avec l'aide des techno-nécromanciens d'Alpha du Centaure. C'est leur sang impur que Saburo Arasaka a bu pour se transformer en cette engeance démoniaque. Gary, dévoile pas les secrets d'Arasaka. Ils vont te retrouver. Qu'ils viennent. La graine est semée. La vérité prendra racine et nous sortira des griffes des envahisseurs. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Ouvre ton esprit, taré, et serre temps pour trouver un boulot. Ça apportera quoi de bon si ce sont eux qui récoltent les fruits de notre travail ? Si vous ne prêtez pas attention à leur existence, ils ont déjà gagné. Мало того, что красивая, еще и умная. Это... Ну, открыла и B-209S. Yeah.
やめろ。Je te l'ai dit, qui compte à l'Afterlife, c'est un but. Le respect t'inspire. Ils en ont rien à foutre des trucs. Salut. Vas-y, entre. Qu'est-ce que je te sers ? Pas touche. Merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. Tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes. Et de nettoyer ta mère. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Rogue ? Faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V ? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'Afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre, alors dis-lui la vérité. Cette nana, pourquoi elle était aussi vénère ? Pourquoi tu vas pas lui demander ? Elle est peut-être encore en train de pleurnicher dans un coin. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Anders Hellman, un ingénieur haut placé, il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman, tu peux me le localiser ? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Et ensuite, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug, tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka, quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Il connaissait les risques. Il peut arriver un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens ? Qui t'a perdu ce jour-là ? Johnny, quelque chose ? Ah, t'as mené ta petite enquête, évidemment. Mais comme je dis toujours, les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois ? Si j'ai pas assez, bonne journée et casse-toi, c'est ça ? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver ? We'll be right back.
sert. Accroche-toi encore un peu. Charcot de carré. Passe. Pourquoi elle est pas à l'hôpital? Il y a un truc. Ouais. On est sûrement plus à l'abri ici. Merde. Dis-moi quelque chose, Charlie. N'importe quoi. Dans ça, tu peux pas venir. T'as plutôt intérêt. T'as 5 minutes. Appelle des renforts. Ouais, je suis on gentil. Fracasse, on traîne les corps à l'intérieur. Qu'est-ce que je te sers? Hey, du boulot, ça vous intéresse? Quel genre? Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vite fait bien. Intéressé? Vous devriez d'abord voir ça avec un fixeur. J'emmerde des intermédiaires, c'est des pompes. Avec cette attitude, vous irez pas loin dans ce business. J'ai pas besoin de conseils, juste notre transporteur. Vous prenez le job ou pas? Je vous écoute. C'est tout con. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment le livrer, et voilà. Ouais. Et pour ma paye? Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un bonus, de l'import hors taxe. Hors taxe et hors détail aussi. Oui, mais ça reste une offre équitable. Un boulot facile et bien payé. Alors, vous le prenez? Ouais, ok, ça marche. Parfait, je savais bien qu'on trouverait un accord. Allez sur le front de mer de Kabuki et cherchez un frigo avec « Nos futurs » écrit dessus. Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son contenu et appelez-moi pour la suite des instructions. À plus alors. Ah,
Accroche-toi encore un peu. Le charcut de charisme. Tu planes ou quoi? Comment ça, tu peux pas venir? T'as plutôt intérêt. T'as 5 minutes pour ramener ton fils avant que... Tout va bien?
J'ai un contrat pour toi, c'est tout simple. Je veux que t'élimines un type qui extorque de l'argent à d'honnêtes travailleurs. La cible s'appelle Blake. C'est un sacrifice de pute. Plus d'infos sur l'homme et son mode opératoire en pièces jointes. Mais en vie. Je me demande ce que va me dire Dennis. Alors, ça y est? Vous avez le colis? Vous auriez pu me dire que votre colis, c'était un mec. Si ça avait... Alors, c'est qui? L'ambassadeur du Mexique. Sérieux, on s'en fout de savoir qui c'est. Je vous ai préparé une bagnole. Mettez le type dans le coffre et allez à Northside. L'adresse est dans le GPS. Ok. Encore une chose. Faites gaffe au Tiger. Il recherche activement votre nouvel ami. Attendez, quoi? Ah, il a raccroché ce con. Thank you.
temps à perdre. Sors.